Le samedi 14 septembre, le conseil municipal de Vaudreuil-Dorion et le conseil des commissaires de la commission scolaire des Trois-Lacs ont invité la population à assister en grand nombre à l'inauguration officielle du terrain synthétique du campus de la Cité des Jeunes. Tout au long de la journée, des activités et de l'animation pour toute la famille ont égayé le site de la Cité des Jeunes. Les spectateurs ont ainsi pu assister à des démonstrations de football, de soccer, de flag football et même de cheerleading. L'inauguration s'est faite en présence de représentants de la commission scolaire, notamment de la présidente Diane Chétagne, de conseillers municipaux de la ville de Vaudreuil-Dorion, du maire Guy Pilon, ainsi que du député de Vaudreuil, Yvon Marcoux. Le député de Vaudreuil et la présidente de la commission scolaire se sont d'ailleurs échangé quelques passes de ballon, tandis que le maire Guy Pilon a procédé à un botté d'envoi marquant l'inauguration officielle du terrain synthétique. C'était Marie-Maxime Cousineau à Vaudreuil-Dorion pour vaudreuilsoulanges.tv.